D'abord, je vais commencer par Ousmane Kaba. Franchement, il y a de ces leaders en Guinée qui n'ont pas honte, et surtout même certains leaders venant de la Haute-Guinée. L'Inco. Ousmane Kaba, chaque fois, tu ouvres ta gueule, tu dénigres ceux qui sont mieux que toi. On vous a vu au début du coup d'État ici mentir que oui, certains dignitaires ont 1 000 milliards sur leur compte, ce qui fait 100 millions de dollars. Il est Ousmane Kaba, Ibola Yakao, au Via Lufoya, Imam Maloya, à ton âge, Ousmane Kaba, côtier économiste. Djouma Terrile Bourodjona, avant d'avoir tes écoles. Tu as un dossier de 330 milliards au niveau de la CRIEF. Itéhamiola. Et tu sais que le deal, c'est qu'on t'a dit que si vous ne les soutenez pas, ils savent ce qu'ils vont te faire. Al-Dalaka, Al-Dabawi, Djambadjou Bantoa Betiena, quoi. Sigal Batoy, Ida Oyere Betiena. Mais à chaque fois, Ousmane Kaba, il dit Dalaka, Kid, ça dit, Kakuma Pro Salfa Kondema, Ite Maloyadoni. Toi, Ousmane Kaba, Haute Guinée te l'a dit. Vous n'avez même pas honte. Alte Malo, elle a fait où, à ton âge? Kambere Bayak Bansan. Il est marqué Massaye déjà, ministre de l'économie. Ika école Minoulo, bien Minou Iburo. On t'a audité ici. Albra Bola Boutou, Alda Kemana Mana Kamfoy. Ceux qui sont mieux que vous, Alte Sessela, moi, Minou Yere, Rodouni. Le monsieur n'a même pas honte de mentir. On l'a vu ici mentir qu'on nos cadres ont 1 000 milliards sur leur compte. Mais jusqu'à présent, ils n'ont même pas pu prouver cela. Même 15 milliards. Non, il y a des gens qui ont 1 000 milliards. Damaro est accusé aujourd'hui d'avoir dépensé 15 milliards. Le chantier du nouveau site. L'Assemblée a été rénovée. Ils ont acheté des bus. Les primes des députés, il est resté 6 milliards. C'est à cause de ça, lui, il est à la maison centrale. Mais après là, vous sortez devant la population. Alte Maloya, c'est grâce à ce gouvernement qu'à l'État soit petit. Non, mais Ousmane Kaba, Alte Maloya, la faute. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Dans le cas les même Meria Sempita sur le cancan. Être maire seulement. Mais c'est vous qui êtes là à gueuler matin midi ça sur le professeur Fakonde. Wati be, Alte Maloya Doni. Alte Maloya la feu. Alte Maloya la. Sinon là, ça n'a compté très. Père son âme. Al bel et très. Al kabunke. Na fia kumari wati be. Alte Maloya la feu. Maintenant, je ne vais pas durer dans cette vidéo. Mohamed Mara. Parce que moi-même, je sais que lui n'est pas stable. Tu étais dans le bar café de Guirassy. Tu as eu problème là-bas. Tu allais où? Tu allais dans FIM. Du côté de FIM encore, tu as eu même problème. Tu es insolent. Tu es insolent. Tu es insolent encore. Mohamed Mara. Tu reviens encore dans le bar café. C'est toi qui es là tout le temps à parler, à boire. Parce que votre émission, c'est ça. On dit les gueulards, parce que c'est le chien qui gueule. Nous, les hommes, on parle. Comme vous êtes des gueulards, oui. Donc, il faut tout dire. Parce que quand le chien gueule à boire, là, on ne sait pas, on ne saisit rien dedans. Vous n'avez pas honte. Un peu seulement, un, deux, trois, sur le professeur Fakonde. Vous n'avez pas honte. Quand les toits soient petits, c'est qui? Vous n'avez pas honte? La route nationale, le financement, vous n'avez pas honte? Bande d'ingrats que vous êtes, vous n'avez pas honte? À un moment donné. À un moment donné. Vous n'avez pas honte? La Guinée avant 2010 et maintenant. Vous n'avez pas honte? Mohamed Mara. Je ne vais pas te qualifier. Mais, souvent, arrête-toi devant le miroir
Essaie de te mirer et tu vas voir qui tu es. Tu parles du retour de Professeur Alpha Condé. C'est son pouvoir jusqu'en 2026. Le bandit qui est là-bas actuellement. Votre narco qui est là-bas actuellement. Au temps du Professeur Alpha Condé, c'est vous qui étiez là à gueuler. Oh, les narcos sont là. C'est rentré, c'est ceci. Pourquoi vous ne gueulez pas pour parler des narcos? Vous, les journalistes vendus. À l'époque, emploi des jeunes. Vous étiez là à parler. Le procès est venu, il a créé combien d'emplois? Il y a eu combien d'emplois de plus à la fonction publique? Pourquoi vous ne parlez pas de ces chiffres? Pourquoi vous ne parlez pas de cette différence? Depuis l'arrivée des bandits, ils ont créé combien d'emplois? Ils ont employé combien de diplômés? Vous ne parlez jamais de ça. 10 000 à la fonction publique, quel pays au monde qui peut avancer quand on est là à supprimer les emplois? Vous ne parlez jamais de ça. 1, 2, 3, vous ouvrez vos gueules à dénigrer le FAMA. Mais parlez de l'emploi des jeunes. Parlez de l'affaire de drogue. Tout ce qui est bloqué là, parlez de ça. Au lieu de venir à bois. Là, il m'a dit qu'il a été élu. Le bandit qui est là-bas, il a été élu. Le narco qui vous dirige là, il a été élu. Vous ne parlez pas de ça. Parce que oui, on vous donne à manger. Regardez-vous les journalistes d'espace. Vous avez des véhicules neufs. Oui, Moussa Moïse, il se bat, on vous dit, de doubler votre subvention. Et on le fait. Et la population. Quel emploi ils ont créé? De feu lance en a compté au Professeur Alpha Condé. Lui, en espace d'une année, il a fait autant de décrets que feu général lance en a compté et le Professeur Alpha Condé. Vous trouvez tout ça normal? Un bandit, un légionnaire vient prendre le pays en otage. Et vous, les journalistes vendus, orgueilleux, vous êtes tout le temps là, le Professeur Alpha Condé. Mon frère, jusqu'à présent, le Professeur Alpha Condé il reste et demeure le président de la République. Un, il n'a pas démissionné. Voilà. Le pouvoir là, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il m'a dit c'est aujourd'hui. Où est sa popularité? Vous ne direz pas que c'est le RPG arc-en-ciel. Où est sa popularité? Vous ne direz pas que c'est l'UFDG ANAD. Où est sa popularité? Vous ne direz pas que c'est UFR, la société civile au consort. Aujourd'hui, c'est vous les escrocs. Vous les anarcheurs. Des journalistes comme les mendiants. À l'époque, on l'a mis à la tête d'un département. Il a pu gérer OGP en faillite. Les Youssouf Boundou, ils sont où aujourd'hui? Tous les escrocs comme vous, là, quand vous êtes des journalistes, vous vous changez quoi? Vous apportez quoi à la nation? Vous avez pu apporter quoi à la nation guinéenne? Bande d'escrocs que vous êtes. Vous les journalistes. Le Professeur Alpha Condé. Qu'à l'État soit petit, oui, c'est lui. Autant de réformes. Des bandes d'escrocs que vous êtes. Des papato. Alors, le jour que le professeur va revenir, je crois que tu vas quitter la Guinée. Toi, Mohamed Mara, toi, tu es allé du niveau de film. Regarde comment on t'a viré. Allô, Barré. Et t'as mis ses Falama Moubé. Tu as vu comment tes amis? Comment tu as terminé avec Abaka de film? Tu n'as même pas honte. Toi, tu n'es même pas stable. Tu étais dans le bar café. Tu es parti de l'autre côté. Milentoy. Sinon, Kaita Iyagima, tu n'allais même pas revenir encore du côté du bar café. Ita Mohamed Mara, mais tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Des escrocs. Vous êtes tout le temps là à dénigrer. Vous avez défendu le FNDC ici. Aujourd'hui, vous dénigrez le FNDC. Vous avez défendu El Asseloudale. Aujourd'hui, vous le dénigrez à cause des bandits, des narcos aujourd'hui. Vous êtes constant. Vous êtes logique. On vous a vu ici, face au pouvoir du Professeur Alpha Condé, défendre le FNDC, défendre El Asseloudale. Mais aujourd'hui, là, à cause de quoi? L'argent. Vous avez fermé vos gueules parce que vous êtes des gueulards. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez plus de ça.
Vous avez vu dans quel pays du monde un gouvernement qui vient, qui supprime des emplois, un pays comme la Guinée. Là, il m'a dit se flanquer à Paris la dernière fois pour dire qu'un petit pays comme la Guinée. Et toi, tu dis un petit pays. Tu supprimes 10 000 emplois à la fonction publique. 11 700 dans les mines. Comment la population là-bas vive si l'État ne crée pas des conditions de travail pour sa population? Vous, vous êtes là à supprimer parce que c'est des tonneaux vides accompagnés par des journalistes escrocs comme vous. Comme c'est le problème là qui t'inquiète pour dire si le procès doit venir ou pas. Mon frère, tu seras surpris. Voilà. Et ce jour-là, je vais te rappeler. Dis, gueulard m'a tombé de qu'il ne faut même pas rêver. Ah ouais, a fini ma tombé réalité là. Tu n'as même pas honte. Un journaliste, c'est quoi? Hein? Vous dites que vous êtes les voix des sans voix. Combien de familles sont en train de pleurer aujourd'hui? Pourquoi vous ne parlez pas de ces familles-là? Ceux qui sont là à la retraite, ils ne sont pas encore payés. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? C'est des futilités, griefs. Une année, aucun dossier. Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? C'est le retour du professeur Fakonde qui t'inquiète. Ne t'en fais pas. Sa maison a été braquée. Les soldats patriotes, là. Eux aussi. Regarde votre gars. Il est dans un trou là-bas comme un rat. Là, il m'a dit. S'il est légitime. Le professeur Fakonde, lorsqu'il était là-bas, c'est-à-dire, il partait partout dans le monde. Votre bandit, un narco qui est là-bas, au lieu d'aider à défendre la vérité, non. Maintenant, vous ne le ferez pas. Ils sont tous devenus des escrocs. Ils sont dans les bureaux là-bas. Moussa Moïse est là-bas. Regardez aujourd'hui, DCI, équipé même qui dépasse presque la RTG. Et vous trouvez tout ça normal. Oui, il faut faire la démagogie. Il faut défendre un bandit. Le professeur Alpha Condé, que vous le voulez ou pas, il y a eu des élections. Oui, je ne suis pas d'accord. Il y a eu des élections. Oui, il a un bilan. Nous, on parle de ça. Ne serait-ce que le projet Simandou, qui était déjà vendu à combien de millions? 100 et quelques millions. Aujourd'hui, qui a plus de 15 milliards. Nous, ça, déjà, son bilan, ça va. Sans parler de l'électricité et consorts. Le professeur donne l'électricité. Les factures étaient abordables. Mais regardez aujourd'hui, facture d'électricité. Parce que les bandits aujourd'hui, des tonneaux vides, ils ne savent pas comment créer la richesse. Après, c'est pour venir nous raconter des blabla, des salades. Là, il m'a dit, qui? Il a été nommé par qui? Pour dire que lui, il va écarter tel candidat. Vous vous dites que vous êtes des démocrates. Des bandits comme vous, des journalistes vendus. Hein? Allah a dit quand Benyenaya. Ça a dit faites tout. Que ce soit le professeur Fakonde ou pas. Mais là il m'a dit Barabolaï, vous les journalistes là, hein? On a vos archives. Le jour que vous allez mettre vos gueules, parce que c'est ça, on dit grande gueule. Vous allez mettre vos gueules là sur un autre dirigeant de la Guinée. Vous allez comprendre. Le professeur vous a fait trop de cadeaux ici. Mais aujourd'hui, les Guinéens sont en train de voir si vous êtes vraiment des journalistes ou vous êtes des communicants. Ou vous êtes des... Votre patron d'abord, Girassi, un ancien DJ. Un ancien DJ. DJ Jean-Pierre. Converti, je ne sais pas, en journaliste. Affairiste.